durée. Durée des monstres. Trop près la maman, avec le petit. Faut que tu recules. Allez. Ça c'est chaud, hein. Je peux vous dire, ça c'est chaud. Des éléphants, ils arrivent sur moi là. Là, ils arrivent sur moi. Faut que je me trouve un arbre, un cas, mais je vais essayer de les filmer. Oh, durée des monstres. Je crois que, à part le jaguar, il n'y a rien de pire comme cri. Mais ils viennent pas sur moi, là. Si, si, ils arrivent. Ils arrivent.
T'es pas là. Ils sont trop près. Ils sont trop près. Hé, hey, toi, barre-toi. Non, non, va-t'en, va-t'en. Allez, chut, chut. Allez, va-t'en. Hop, 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 hop. Allez. Hop, hop, hop. Il y a deux, trois gros, là, ils veulent pas partir. Allez, allez. Ah, les gars. Ils étaient dans mes pieds. Ils étaient dans mes pieds. J'étais obligé de leur faire peur. Ils me marchaient dessus. La bande se divisait en deux, ils passaient de chaque côté. Ouh, j'avais que ça pour m'accrocher, là, ces deux arbres. Ah, ils sont partis, là. Il y en a, je ne sais pas, une centaine. Et ça, c'est chaud, hein. Je peux vous dire, ça, c'est chaud. J'ai repris le téléphone. C'est encore là, mais j'ai pas mesuré la quantité, la grosseur de la bande. C'est quand j'ai gueulé pour qu'il s'échappe, parce que c'était en train de se diviser en deux comme ça. Il me passait autour et les premiers étaient à 4-5 mètres. Il y a encore une odeur de pisse, de purin, quoi. Et donc c'est quand j'ai gueulé que j'ai vu que ça bougeait de partout. De partout, de partout. On aurait dit, je sais pas quoi, là. Vous savez, quand vous jetez à manger au poisson dans l'eau, là. Donc là, je pense que, au niveau adrénaline, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Et il y en a trois ou quatre gros qui sont restés. La bande est partie. Eux, ils sont partis dans l'autre sens. Ils ont commencé à m'encercler. J'étais obligé de taper dans les mains ou taper sur ma cuisse. Je sais pas ce que j'ai fait. Pour qu'ils foutent le camp. Waouh! Ah non, ça c'est à vivre, hein. Ah, je vous jure, c'est top. C'est 14h40. J'ai l'impression que les cochons reviennent. Donc, si jamais ils repassent, je plie tout et je vais monter mon hamac d'un cran pour être à 81 mètres du sol, ça suffit. Et à ce moment-là, je vais pas les louper, quoi. Ils sont là, mais je peux pas monter dans mon hamac parce que je vais faire du bruit. Ils vont me voir autrement. Thank you.
sont à 15 mètres de moi. C'est un stress pas possible. Là, j'en avais une vingtaine là. J'étais à 15 mètres de moi. Il y en a, il m'a regardé. J'étais derrière un palmier marcheur là. Il m'a pas bien vu. Puis après j'ai bougé. Clac, 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 clac. Il est parti dans tous les sens. Ils sont là encore. Hein. Ils sont une quarantaine de mètres. Je les vois à travers les broussailles. Voilà, je plie, je rentre là. J'ai ma dose. Hein. Auprès la maman avec le petit. Faut que tu recules. Allez. Allez. T'es trop près. Troisième passage. Ça fait trois fois que j'arrive à faire des petits bouts de film. Ils sont là encore. Ils sont là. Ils veulent pas partir. Parce que je sais où c'est qu'ils veulent aller. Et je peux pas vous le dire. Ils ont vu que j'avais une grande gueule, mais que je suis pas méchant.